Bonjour. Bonjour. C'est bonjour. Solidaire d'abord. Alors, première chose à dire, j'espère que Sylvain, tu vas bien. Et que, voilà, je ne suis pas en train de dire, Quentin, qu'on veut te remplacer. Hein, mais bon, on aime bien Sylvain. Et voilà, on pense à lui et qu'il se remette le plus vite possible. Oui, on a envie de le revoir. Quoi. Voilà, on a envie de le revoir au plus vite. C'est pas comme El Kabash. Moi, je n'ai pas forcément envie de revoir El Kabash. Voilà, El Kabash, alors, je n'ai pas envie de dire que je suis content que El Kabash soit mort, c'est pas du tout ça, c'est pas le propos. Mais qu'il soit plus là, c'est pas mal. El Kabash, il n'a jamais été directeur fréquence 7. Non, mais et par contre, il a été sans doute le premier à avoir des questions très très orientées et à être au service du monde libéral d'une façon complètement éhontée. Et ça, dans les gens qui ont rendu hommage, personne n'en a parlé, que c'est un peu grave, quoi. Enfin bon. Alors, il y a des gens qui font de l'humour et qui disent que Macron, c'est pareil que ChatGPT, et qui parle exactement pareil, qui fait beaucoup de vent, tu vois. Et donc, il y en a même qui disent qu'il faudrait le brancher sur une batterie, qu'on récupère au moins un petit peu d'énergie, quoi, parce que comme ça sert pas à grand-chose ce qu'il fait. Parce qu'ils disent, il est partout, Macron, il est partout, mais en même temps, il est nulle part. C'est pas la chose. Voilà. Alors, il y aura une manif le 13 octobre. Alors, ça, il faudrait que tout le monde l'ait bien entendu, parce que je trouve que les infos, pour l'instant, on les a pas eu beaucoup. Donc, à Privas, à 10h du matin, devant le conseil départemental. Cette manif, elle est à la fois pour les salaires, pour l'égalité, pour les services publics, pour l'environnement, pour les retraites et pour les droits. Alors c'est vrai que là, on brasse beaucoup de choses, c'est très large, mais c'est vrai que cette société libérale, elle empêche tout ça. Voilà. Et il y aura l'après-midi, à Aubenas, discussion à l'Agora entre 15h et 18h. Voilà. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il y aura sans doute une table avec des gens pour discuter. Enfin, voilà. Un temps d'échange. Un temps d'échange, voilà, un temps de réflexion. Alors aujourd'hui, on a une émission avec plusieurs sujets qui sont là, actés. Donc, cette guerre qui vient de commencer, on a une guerre toutes les semaines maintenant, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, on va parler aussi de l'eau et des méga-bassines, on va parler aussi de ce qui se passe au local, et on va parler de la justice. Et puis on a un dossier qui nous a été plus ou moins proposé par toi, excuse-moi, pas plus ou moins, Amélie. Et donc ce dossier, c'est sur un gars qui s'appelle Benjamin Brice, qui est un monsieur qui vient mettre le pet sur la compétitivité qui est à la racine de ce monde libéral. Voilà. C'est ça. On verra ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Alors, en premier, on va parler rapidement de cette guerre qui vient de commencer, qui est amenée par le Hamas, pour dire que, évidemment, enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, vous, mais moi, je ne suis absolument pas d'accord qu'il y ait des civils qui se retrouvent tués, qu'il y ait des civils qui se retrouvent à être otages, etc. Autant je ne suis pas d'accord pour que ça se passe, là maintenant, comme ça, comme c'est en train de le faire en Israël, mais comme je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que, en temps habituel, les gens de Gaza se retrouvent quasiment en prison à ciel ouvert, et il y a un vrai apartheid pour eux, en Israël, c'est absolument pas normal. Tu disais, Alain, d'ailleurs, à juste titre, il me semble qu'il y a deux peuples, non? Donc il devrait y avoir deux États, ou je sais pas, quoi. Oui, ça a toujours été très compliqué. Moi, je suis pas du tout un spécialiste à ce niveau, mais j'ai toujours été surpris, quoi. Bon, je crois que la Palestine est un pays qui existe. Israël est un pays qui a été reconnu aussi. Depuis 48, il me semble. Ouais, depuis 48. Hein. Donc, on se dit, mais enfin, pourquoi? Et puis, il y a l'ONU, à la limite, qui peut, là, jouer le bon père de famille pour essayer de résoudre les choses. Parce que sinon, ils vont passer leur temps à se foutre sur la gueule, comme on dit. Mais, et on n'en sort plus. Quoi. Forcément, les guerres sont sales. L'ONU condamne la colonisation israélienne, hein, parce qu'ils continuent à coloniser. C'est-à-dire, quand tu vois une carte de ce qu'était Israël au départ avec la répartition des territoires, tu avais une partie qui était occupée par les Juifs, une partie par les Palestiniens. Et là, maintenant, tu cherches un tout petit peu les confettis qui restent aux Palestiniens. C'est assez fou, quand même. Voilà.
Donc, on va pas s'étendre beaucoup sur ça, parce que on n'a pas. On fera peut-être venir un spécialiste qui viendra nous en parler un petit peu mieux. Hein. Maintenant, moi, ce que je note quand même, c'est que dans tous ces pays du Moyen-Orient, vous avez vu l'Azerbaïdjan, voilà, avec l'Arménie, on a que des régimes autoritaires. Regarde l'Égypte, regarde la façon dont ça se passe en Syrie, en Iran, en Irak avec les USA qui sont toujours derrière, hein, quand même, en Arabie Saoudite, Israël qui est quand même pas du gâteau. Hein, quand Netanyahou vient pour défiler au moment où il y a l'attentat du Bataclan, moi j'étais pas d'accord qu'il soit là, hein, parce que c'était pas un gentil monsieur qui venait participer à ça. Il était en train d'instrumentaliser le fait que il y avait des Arabes dans le coup, hein. C'est ça qu'ils étaient en train de faire. Donc ça va pas du tout. Et le Qatar, j'en passe des meilleurs. En ce moment, il y a une guerre au Yémen quand même. Enfin, je sais pas, quoi. C'est fou. Et tout ça pour sans doute beaucoup pour le pétrole. Donc c'est pas. Il faudra qu'on parle de la question de l'énergie un jour. Il faudra qu'on en parle. Alors, on va parler un petit peu de l'eau et des méga-bassines. Alors, Amélie, t'as vu un petit peu cette histoire Et oui, donc, il y a des méga-bassines qui étaient prévues et, adoubées par le préfet, qui étaient autorisées par le préfet des différents départements. Donc, ça se passe dans l'ouest de la France. Oui. Tous les départements. Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On appelle ça comme ça. Et donc les départements, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et la Vienne. Voilà. Et donc les bassines en question représentent un volume de 3 millions de mètres cubes d'eau pompée dans les nappes phréatiques. C'est pas de la récupération d'eau de pluie. Et voilà. Donc on se souvient quand même, on ne peut pas passer sous silence l'épisode de Sainte-Soline. Alors, Sainte-Soline, qui est dans les Deux-Sèvres, hein, donc voilà. un des projets incriminés. Et donc, ces projets viennent d'être recalés par le tribunal administratif suite à une action qui a été menée par des associations. Et voilà. Voilà. Alors, le tribunal a recalé le truc en disant « Le projet n'est pas associé à de réelles mesures d'économie d'eau » et ne tient pas compte des effets prévisibles du réchauffement climatique. Et je crois que tu avais des choses à rajouter. Et oui, et le tribunal dit aussi que le projet ne tient pas compte non plus des capacités de production d'eau de l'environnement à ces endroits-là. Voilà. Donc c'est vraiment un assèchement des nappes phréatiques, et on peut se demander de quel droit, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas l'État qui fait ça, ce sont des particuliers, ce sont des agriculteurs, hein, donc voilà. Même si c'était l'État, mais je veux dire, en plus, là, c'est des privés, quoi, qui ont ces projets-là. Donc je me demande... C'est des intérêts privés sur un bien commun. Hein. Voilà, c'est ça. Un bien commun. Et donc, là, il est dit quand même, inexactitude, omission, insuffisance dans l'étude d'impact, c'est quand même fort, hein, les mots, hein, inexactitude, omission, insuffisance, et l'effet que ça produit, c'est que ça nuit à l'information complète de la population. Donc après, on peut te mettre des projets sans avertir correctement la population, et hop, ça passe. Et, oui. Et donc chercher l'erreur, c'est qu'en France, très très souvent, ça se passe comme ça. Hein. Oui. On a la même chose sur l'autoroute A69 en ce moment, par exemple, et sur plein de choses, c'est comme ça. Et donc ce qui est grave, c'est que Pierre-Yves Marais, qui vient souvent dans cette émission, nous explique que, d'accord, là, il y a une quinzaine de projets qui sont retoqués, mais il y en a 1000 qui sont dans les tuyaux. Alors donc, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. On parlait l'autre jour des différents modes d'action, et le fait d'aller en justice, je pense que ça fait partie du panel. Hein. Ouais. Et bon, c'est très énergivore, c'est très, très coûteux, mais quelque part... Quand démocratiquement, on voit que ça se passe comme ça, que la population n'est même pas informée des effets des projets ou qu'il y a des mensonges, je pense que là, il ne faut pas hésiter. Ouais, tout à fait.
Alors, il y en a un troisième sujet, et là, c'est plus au local, c'est parler de la Bézorgue, parce que le 5 octobre, il y a eu un article de la Tribune qui a rapporté le fait qu'il y a des gens, un collectif, pour protéger les rives de la Bézorgue, qui sont allés aux SCBA, là, au Conseil... Conseil communauté du bassin d'Aubenas. Bassin d'Aubenas. Communauté de communes, en fait. CCBA, c'est-à-dire communauté de communes du bassin d'Aubenas. Donc le président, c'est Tourvielle. Tourvielle, hein. Le maire de Vaisseau. De Vaisseau. Et donc ils sont allés protester parce que, en fait, est en cours de régularisation tout un ensemble d'appareillages qui permettent du canyoning sur la Bézorgue. Cette installation s'est faite sans permis de construire pour tout ce qui a été, tous les équipements qui ont été mis. Alors je ne suis pas capable de vous répondre plus avant sur exactement ce que sont les équipements en question, mais ça a été fait sans permis de construire, de façon complètement illégale, depuis 10 ans. Et en fait, il y a des factures très très juteuses, parce que dans l'été, pendant l'été, il semblerait qu'il peut y avoir jusqu'à 500 personnes là-haut, là, à la Bastide sur Bézorgue, juste au-dessus, qui passent. Et donc, ça donne des trucs où toi, tu dis que tu as quelqu'un qui t'a expliqué qu'il faut être gêné. Qui va se baigner de temps en temps là-bas, à la Bastide sur Bézorgue. Et un jour, il est tranquille, en train de se faire bronzer dans un champ. Tout à coup, il t'arrive un commando, un véritable commando, au moins 50 mecs avec des combinaisons. Il s'est demandé ce qui se passait, il ramassait des trucs sur la tronche. C'est impressionnant. Et plus loin, des fois, je vais me promener, là. Je vais dans le jardin de Cluse, hein, au-dessus. Disons, c'est vrai qu'il y a un aménagement qui a été fait pour garer, je sais pas, énormément de voitures. Et je crois même qu'il y a un endroit, soit une zone héliport, soit pour un hélicoptère, soit pour les pompiers. Mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Parce que la route, elle est quand même petite. Hein. Oui, la route d'Ardèche. J'imagine les grands cars qui vont passer là-dessus. Et puis d'un coup, on se retrouve devant un grand parking, on se dit pas qu'il y a... Et c'est en fait, donc il doit y avoir énormément de monde, sans doute. Hein, Mais c'est ce que, en gros, dénonce le collectif là, qui est allé interpeller les élus du CCBA. Et ils disent que d'une part, il peut y avoir une certaine dangerosité sur les rives de la Bézorgue à certains endroits, dans le parcours qui est utilisé pour le canyoning. Et puis, Mais qui organise tout ça? Il semblerait qu'il y a une seule personne qui passe à la caisse, en plus. D'accord. Donc voilà, il y a donc apparemment quand même un gros problème de sous, là. Voilà. Vous avez vu que Macron a créé deux brigades mobiles en Ardèche? Il crée deux brigades mobiles de flics. Ah bon? Ah oui, il va y avoir deux brigades mobiles de gendarmes en plus. D'accord. Alors c'est vrai que c'est... Des motards. Ah non, je ne sais pas exactement. Par contre, il y a eu six brigades qui ont été éliminées depuis 2013, quand même. Par exemple, à Bourzé, il y avait une brigade, à Montpezat, il y avait une brigade, tout ça, c'est parti. Mais des gendarmeries, il y en avait pas mal, il y en avait même une à Val-Séban. Hein. Ouais, donc un peu moins de services publics, mais d'un seul coup, cocorico, deux brigades qui sont créées. Enfin, bon, ouais. Et pourtant, les Français attendent, hein, on le dira tout à l'heure, mais ils sont très nombreux à attendre une police de proximité. Alors je parle de justice, parce qu'on vient de parler de police. Vous avez vu que, alors Sarko... Dans le long feuilleton judiciaire, hein, qui dure depuis 2007, à peu près, hein, le moment où il a été élu. C'est une série, ça. Bon, mais donc là, il avait déjà X casseroles sur le dos, dont déjà une mise en examen, et bien il en a une deuxième. Voilà. Encore. Ça fait un paquet de fois qu'il passe devant la justice, hein, je ne sais pas combien de fois. C'est une série, hein, on compte plus. Hein. Oui, on ne compte plus. Hein, on a l'habitude. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est le financement libyen de sa campagne de 2007, et ça sera jugé en 2025. Chercher l'erreur aussi, tu vois, un peu quand même. Ouais. Voilà, le mec, il passe quand même à travers pendant un sacré moment. Hein, Chirac est passé à travers jusqu'au bout, d'ailleurs, hein, parce qu'il aurait dû, hein, mais bon, enfin, bref, voilà. Et Macron, alors,
quand est-ce qu'il va passer au tribunal? Parce que quand même, il a vendu Alstom à Alcatel, il a participé à la vente en tout cas, hein, et il y a donc des financements glauques là. Et puis il n'y a pas que ça. Benalla, c'est pas clair. C'est que Benalla, il a pris 3 ans dans un seul ferme et avec aménagement. Donc ça veut dire avec bracelet. Donc, un an avec bracelet, quoi. Voilà, un an avec un bracelet. Ouais, circuler, il n'y a rien. Voilà, tout à fait. Parce que Sarko, Macron, il a quand même fait monter le MRN. Hein. On se retrouve avec quand même je sais pas, sans arrêt, il met en avant les idées du RN, en fait. Il est sans arrêt en train d'essayer de faire un opportunisme sur l'Assemblée nationale aussi. Ouais, il a tellement besoin pour faire passer ses lois RN, donc finalement, ils ne font plus qu'un, les deux. Oui, hein. Et comme on expliquait la dernière fois avec toi, Alain, hein, souvenez-vous, le RN ne vote absolument rien de ce qui va dans le sens populaire. Voilà, donc en fait, ils sont ensemble, pratiquement. Hein. Voilà, ils sont ensemble. C'est deux faces de la même pièce. Donc, il crée en plus le CNR avec un cynisme absolument abominable. Moi, je trouve qu'il faut qu'il soit jugé, ce mec. J'espère qu'on arrivera à l'avoir jugé à un moment, quoi. Hein. C'est pas, on peut pas laisser passer un truc pareil, quoi. Bon, on arrive au dossier. Alors, le dossier de Benjamin Brice. Le dossier de Benjamin Brice. Ben, ça, c'est... moi, je suis pas du tout politologue ni économiste, mais j'ai été assez impactée par une conférence que j'ai... une interview, plutôt. Sur la chaîne Elucide, que je vous conseille, elle est très pertinente. Et donc, c'est une interview de Benjamin Brice, qui est docteur en sciences politiques. Ce Benjamin Brice, il a écrit déjà il y a un an un livre qui s'appelle « La sobriété gagnante ». Alors, je n'ai pas lu encore, mais je lirai, je vous ferai un petit compte-rendu si ça vous intéresse. Et il vient de sortir un autre livre qui s'appelle « L'impasse de la compétitivité ». Et dans cette interview, il décortique ce concept de compétitivité et ses conséquences diverses. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'avais envie de vous en parler un peu. Ouais, super. Voilà. Et donc, le constat, c'est que dès qu'on veut parler d'un problème dans la société, problème social, problème d'inégalité, problème écologique, j'en sais rien, surconsommation, financement des services publics, à chaque fois, le retour, c'est oui, mais la compétitivité. Et ça vient bloquer tout le débat et toute la réflexion. Donc Benjamin Brice a décidé un peu de creuser cette histoire de compétitivité. Et la première chose qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que c'est exactement que la compétitivité ? En fait, c'est pas un concept, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est pas un concept que les économistes utilisent beaucoup, c'est plutôt les politiques qui utilisent ce concept-là. Et donc, je suis allée voir un petit peu sur le site economie.gouv.fr. Et donc, voilà, la définition de la compétitivité donnée par l'Union européenne. Alors, je vous lis. Hein. L'Union européenne définit la compétitivité comme la capacité d'un pays à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale dans un environnement de qualité. Voilà. Donc, voilà, quand on voit ça, déjà, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce n'est pas une définition de ce qu'est la compétitivité, mais des résultats qu'elle devrait avoir. C'est la promesse, en fait. C'est une promesse. C'est la promesse de la compétitivité, voilà. Et donc, notre gouvernement est à fond, sur ce dogme de la compétitivité. Et donc, est-ce que la promesse est tenue? C'est ça la vraie question, en fait. Eh bien, la promesse, elle n'est pas tenue. Elle n'est vraiment pas tenue parce que ce dogme de la compétitivité est mis par les gouvernants au-dessus de toutes les autres contraintes qu'on devrait prendre en compte, en fait. Contraintes sociales, contraintes environnementales, etc., services publics, etc. Donc la compétitivité, elle vient vraiment comme une priorité des priorités au-dessus. Et donc, ce que dit Benjamin Brice, c'est qu'il faudrait... C'est pas un fantasme non plus, la compétitivité. C'est une réalité dans un monde où le marché est ouvert. Mais donc, ce qu'il faudrait faire, c'est, un, peut-être s'interroger sur la liberté... comment il est ouvert. Comment il est ouvert, voilà. Et deux, peut-être remettre ce dogme à sa juste place parmi tous les autres. Et toi, Alain, tu disais justement sur cette compétitivité, etc. Enfin, c'est presque un langage de banquier, non ? Moi, je sais pas si c'est un langage de banquier, mais moi, ça m'interroge beaucoup parce que je trouve que
C'est très contraignant, finalement. Ce n'est pas du tout le bonheur d'un peuple. C'est au contraire une aliénation d'un peuple parce que il peut pas avoir son salaire qui augmente, il peut pas accéder au bonheur, tout ça parce que on lui fait comprendre que si toutefois il gagne plus, son usine va fermer, quoi. C'est de la contrainte, c'est quelque chose qui opprime un peuple, hein, plus qu'il lui amène le bonheur. Voilà, parce que le marché ouvert, finalement, le peuple, on en a rien à foutre, enfin, du marché ouvert, on préférerait peut-être qu'il y ait quelques contraintes à la frontière, et puis qu'on vive plus heureux. Hein. Oui, plus heureux et de façon plus résiliente, parce que cette ouverture des marchés et cette spécialisation des différentes régions du monde dans différentes productions, ben, ça entraîne une vulnérabilité énorme, en fait. On l'a vu, par exemple, avec le Covid sur les masques, etc., etc. Et voilà, on est complètement pieds et poings liés, et au niveau géopolitique aussi, on est pieds et poings liés avec les autres pays. Alors, il décortique un petit peu Benjamin Brice, et il parle surtout des deux effets de la compétitivité, un sur les prix, un autre sur la qualité. En fait, c'est deux façons de rendre les produits compétitifs. Alors, il y a la compétitivité coût ou la compétitivité prix. Donc, ça veut dire l'objectif, c'est de baisser au maximum les prix pour être compétitif. Et la compétitivité hors coût ou hors prix, qui, elle, joue sur la qualité, l'innovation, etc. Voilà. Et donc en France, il semble évident que ce qui est le mieux pour la population, c'est la compétitivité hors coût, puisque ça permet de garder des prix corrects, et ça permet de continuer à payer les gens correctement, de financer les services publics, d'inventer, et de créer, etc. Voilà. Et en France, le problème qu'on a, c'est que la France est restée sur une compétitivité coût, c'est-à-dire... Alors, coût, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est baisse des salaires, c'est exonération des cotisations sociales, c'est flexibilisation de la main-d'œuvre, c'est modification du code du travail, voilà, etc. etc. Oui, puis peut-être ce qu'il faudrait rajouter, c'est que au niveau, par exemple, je pense à la Chine, il n'y a que 6 millions d'enfants qui bossent. Oui, c'est ça, il y a tous les aspects sociaux. Donc, on peut difficilement comparer, quoi. En France, nos enfants ne bossent pas. Voilà, il faut faire bosser nos enfants si on veut être compétitif. Et donc, il y a d'autres pays qui, eux, par contre, sont partis sur la recherche, sur la formation, etc., comme l'Allemagne, et on se retrouve complètement en perte de vitesse par rapport à l'innovation. Oui, parce que l'innovation et la compétitivité hors coût, ça suppose des investissements de la part de l'État. Ça suppose des investissements dans l'éducation, dans l'aide aux entreprises, etc. Voilà. Et on va être obligé de clore parce qu'il nous reste plus qu'une grosse minute. Et donc, on avait parlé du fait qu'on allait parler d'un sondage. Un sondage qui a été fait par un organisme qui s'appelle Cluster 17. Et donc, on dirait presque que c'est un programme. Hein. Oui, presque un programme politique. Hein. Ouais. Par exemple, le SMIC à 1600 euros par mois. Alors, combien de gens seraient d'accord avec ça ? Alors, 77% sont pour. Indexer les salaires sur l'inflation, 87% des gens seraient d'accord. Geler les loyers, 72% des gens seraient d'accord. Bloquer les prix, 89% de gens seraient d'accord. En France, hein, donc, retraite à 60 ans, 77% des gens sont d'accord. Prendre en compte le vote blanc, 80% des gens seraient d'accord. Le RIC, 80% seraient pour. Les réformes de l'IGPN, hein, 76% pour avoir quelque chose qui marche mieux au niveau de la police. Taxer les GAFAM, 86% des gens seraient d'accord. Remettre l'ISF, 79% sont pour. Police de proximité, 95%, tenez, ou bien, hein, quand même. Et alors, trois réformes. La première, les pollueurs, pollueurs-payeurs. Hein. Pollueurs seraient les payeurs. Voilà. Deuxième, planification écologique, mais une vraie. Et la troisième, prendre une distance avec la surconsommation. Voilà. Intéressant. C'est pas pour tout de suite. Ce webinaire d'abord est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.